il est l'heure pour le nouveau monde. Il est l'heure pour que les masques tombent. À vouloir nous diviser, finalement on s'est rapproché qu'un nouveau monde se crée. En place pour la solidarité. C'est au fil du temps que l'on dévoile tous les secrets. Croyez-moi, il devient très urgent de commencer à s'organiser. Les synchronicités se déploient de tous les côtés. Télépathie détectée, l'humanité connectée. Quelques fous se tapent dans la main, mais tous leurs efforts sont vains. La lumière passe de partout, les jours elle gagne du terrain. Aujourd'hui, il y a une guerre. Pour et cette guerre, elle est contre les antivax. On est quelques milliards sur la magnifique planète du Père Fouettard. Mais nous devons passer par un tas d'événements qui nous séparent. C'est le moment de la moisson, surveille de près tes actions. On est tous essoufflés, frères et sœurs, mais ce ne sera plus long. En 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. La menace, à l'heure actuelle, n'existe pas. On la fabrique plus ou moins avec des chiffres. Seulement 2%. On nous a vendu l'idée que quand on était vacciné, on ne transmettait pas le virus. Il est l'heure que les masques tombent. Ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Ces vaccins génétiques favorisent l'apparition de virus recombinants. Le gouvernement avait interdit aux généralistes de soigner. Il va falloir que l'on revienne sur ce scandale-là. Il est l'heure que les masques tombent. Venez rejoindre les réseaux. L'information coule à flot. Témoigner, commenter, partager. Pour montrer qu'on n'a pas la tête dans le seau. Et qu'on ne lâchera pas le morceau, non. Hey, encore une fois la France rime avec résistance. Puisque nous sommes en guerre contre les vampires de la finance. Et tous les ignares, les guignols qui leur donnent du sens. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide. On a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. En ce moment, penser et considérer comme potentiellement dangereux et se poser des questions aussi. On ne lutte pas contre une épidémie en réprimant le peuple. Ça éclaboussure sur la toile, c'est du sale et du sale. Hey, même la censure au projet, on la trouve bien la plus cassée. Hey, ça sort et ça rassure. On a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid, et en fait, ça n'était pas le cas. 80% des gens qui sont porteurs du virus sont asymptomatiques. Donc si on avait affaire à un virus tueur, je peux vous dire que les hécatombes seraient autrement. Là, il y a un mensonge. Dégage, je ne comprends pas. On va tous devoir passer par un démontage de croyances, partir pour la plus belle quête. C'est de retrouver notre essence. On s'est tous abandonnés dans les bras de Babylone, mais au fond de beaucoup, il y a cette voix qui résonne. Il y a de la responsabilité collective. Pour le nouveau monde. Des personnes qui ne sont pas vulnérables vis-à-vis du virus ne pas se faire vacciner. Tous les pays qui ont vacciné de façon massive voient des rebonds, de l'infection, des morts, etc. Et les gens qui sont vaccinés meurent 4 fois plus du Covid que les non vaccinés. Vous avez des chiffres là-dessus? Oui. Je suis à fond pour les vaccins. Mais là, on nous a vendu un produit qui n'est pas un vaccin. Oh mince, j'allais le remettre au lieu de l'arrêter. Bonjour les amis. Alors, vraiment, Sarah, Jane, Ifra, en harmonie avec Laurent, en harmonie avec Trinidad, en harmonie avec tous les artistes que nous accueillons sur ces pages. Merci à vous deux d'être là. Merci à Trinidad de m'avoir dit invite Laurent. Merci à Laurent d'avoir dit oui. Enfin, bref, merci. Et merci aux amis qui sont déjà nombreux à nous avoir rejoints. Partagez les amis, parce que là, vous avez avec vous deux personnes extraordinaires. Et en écoutant les paroles de cette chanson, je trouve qu'elle vous colle à la peau, cette chanson. Oui, plutôt. Oui, moi aussi, j'ai découvert les paroles. Et c'est vrai que je disais, oula, ça résonne très, très bien avec mon ça fils. Ça résonne bien avec le monde d'après. Hein. Oh, totalement. Ça résonne bien avec toi, Trinidad. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, je suis très contente que tu organises ce direct parce que j'ai découvert ce film il y a 2 jours et je me dis, c'est le film qu'on attendait.
C'est frais, c'est subtil, c'est intelligent, tout est dit sans agressivité. Je pense que tout le monde peut s'y reconnaître et je me suis dit, il y a urgence. Déjà, urgence parce que, au niveau de ben, Laurent va nous expliquer, au niveau de la salle, plus on est nombreux à y aller, plus il y a des chances que ça continue. Et puis, urgence aussi parce qu'on doit continuer à ouvrir les esprits et leur montrer autre chose, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, Trinidad, elle va quand même se présenter. Elle était là sur les pages depuis un petit moment. Vraiment, je la réinvite à venir. Trinidad est une messagère, comme Laurent. Et bon, ben, vous la connaissez tous. Est-ce que tu veux dire un petit peu ton actualité, Trinidad, avant qu'on passe la parole à Laurent ? Oui, vite fait. C'est vrai que je fais partie des rares artistes comme Laurent qui ont manifesté de façon visible et voilà et sans peur et en assumant notre position, enfin ma position en tout cas, en créant un mi-entendu, en voilà. Depuis, je suis taxée d'extrême droite puisque faut bien mettre des étiquettes aux gens, sinon c'est pas drôle. Aujourd'hui, défendre la liberté, celle d'extrême droite, c'est quand même énorme. Mais bon. Voilà, c'est moi, le monde à l'envers. Je sais ce que je suis et ça me va. Voilà, j'y travaille depuis longtemps pour être fidèle à moi-même et c'est ce qui compte. Voilà, mais donc là, j'ai quand même pu reprendre une activité professionnelle. Donc déjà, grâce au Covid, à Noël l'année dernière, j'ai pu faire ma tournée. Et puis, j'ai été généreuse. Je l'ai passée à tous ceux qui n'étaient pas vaccinés, qui avaient besoin de travailler. Et puis là, j'ai repris une activité professionnelle. C'est ce qui fait que je suis moins sur les pages. Voilà. Mais c'est vrai que quand même, il y a des choses qui ont changé dans ma tête, dans ma vision du métier, dans ma façon d'appréhender les choses. Voilà. Tu viens quand tu veux partager ça avec nous, Trinidad. On en reparle. Avec plaisir. Alors, le héros de ce live va se présenter, Laurent, le monde d'après qui t'amène jusqu'à nous. Et oui, donc moi, je suis Laurent Firode. Je réalise des films depuis maintenant de longues années. Hein. J'ai une carrière assez longue, hein. À peu près une trentaine d'années. Je fais des films, donc j'ai fait des longs-métrages, des téléfilms, des courts-métrages, plein de choses comme ça. Mais j'ai toujours voulu garder une liberté dans ma création. Donc, c'est vrai que j'ai fait des films dans le système. Hein. J'ai fait des téléfilms pour France Télé, pour Arte, tout ça. Donc. Mais néanmoins, j'avais toujours ce souci de garder une liberté artistique, beaucoup dans le court-métrage, parce que là, le court-métrage, c'est la liberté totale. Et en fait, cette idée du long-métrage, du monde d'après, elle m'est venue après avoir réalisé un court-métrage qui s'appelle Dérapage, qui avait été repris par pas mal de chaînes YouTube, qui a fait un joli buzz. Le film avait dû comptabiliser à peu près 500 000 vues. Et c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre, de poursuivre dans cette lignée. Et j'ai fait Le monde d'après. Donc, avec la même énergie, la même liberté, sans chercher aucune subvention, ne rien devoir au système, rester libre avant tout pour dire ce que je pensais, ce que je ressentais aussi. C'est important, parce que je crois qu'un film, ça va au-delà de la pensée, ça va aussi dans le sentiment, dans l'émotion. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ du film. Magnifique, cette autonomie dont tu parles. Donc, peut-être donner ton actualité, parce que tu es jusqu'au 7 novembre au théâtre... cinéma. Au cinéma. Oui, au cinéma, qui s'appelle... Le Saint-André-des-Arts. Saint-André-des-Arts, voilà. Donc, c'est un cinéma qui est assez mythique, hein, qui a vu tous les films de La Nouvelle Vague, etc. Donc, c'est un cinéma qui existe depuis 50 ans à peu près. Et donc, mon film passe tous les jours à 13h, là-bas, au Saint-André-des-Arts, rue Saint-André-des-Arts, au numéro 30, c'est dans le 6e arrondissement, au métro Saint-Michel à Paris. Et ça va s'arrêter très bientôt, parce que le 7 novembre, lundi 7 novembre, ça sera une des dernières projections. Après, il y en a une autre encore le mardi 15 novembre et le mardi 22 novembre. Et après, nous sommes à la recherche d'autres salles, que ce soit à Paris, en banlieue, en province, pour que le film se prolonge, puisse poursuivre sa carrière, je dirais. Donc, on cherche des salles.
Donc, un appel est lancé aux amis qui peuvent contacter des salles. Même Trinidad disait des salles de théâtre qui peuvent accueillir le cinéma. Tout est extraordinairement bon à prendre, surtout que Laurent vient animer un débat à la fin du film. Et ça, c'est vraiment félicitations parce qu'on a promotionné Florian Gommet aussi, qui à la fin de chaque séance venait parler de son Neurotopia et de son livre qu'il a écrit au sujet de ça, le guide de survie de l'homme au XXIe siècle. Et tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu te déplaces avec ton film. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Absolument, c'est pour ça que je voulais vraiment, et je veux encore que le film ait une vie dans des salles pour qu'on puisse se rencontrer, se voir enfin, parce que c'est vrai que dans ce monde d'après, on veut nous rendre isolés, nous rendre solitaires derrière un écran. Et je pense que si on veut retrouver un peu de contact et de chaleur humaine, ben je pense qu'il faut en effet un cinéma où les gens se réunissent, se rencontrent. Là, aujourd'hui, je viens de sortir d'une séance au Saint-André où il y avait à peu près 70 personnes. Ben, tout le monde a parlé. Là, je sais qu'en ce moment même où je parle, ils prennent un pot ensemble. Voilà, ils communiquent, ils s'échangent les numéros de téléphone. Et moi, ça me ravit parce que voilà, il y a du contact. Enfin, il y a une chaleur humaine qui est là et je trouve ça formidable. C'est le meilleur moyen de lutter, je crois, à mon avis. Exactement. Surtout que tu disais l'autre jour que la moyenne aujourd'hui dans les salles, elle est de 8 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Oui, ça, c'est assez extraordinaire, c'est que plus personne ne va au cinéma. Et je suis toujours je suis stupéfait et ravi en même temps du nombre de gens qui sont venus voir mon film et qui me disent « ça fait 3 ans que je ne mets plus les pieds au cinéma, ouais. Je ne voulais plus y aller et là aujourd'hui, je suis ravi. Merci, vous m'avez redonné goût au cinéma ». Donc, c'est formidable, voilà. Donc, voilà, le cinéma existe encore, c'est un plaisir convivial, chaleureux, empathique, où on est vraiment ensemble. Donc, il faut que le cinéma vive, et je pense que pour que le cinéma vive, il faut également des films un peu différents. Je crois que le public en a vraiment besoin. Et là, aujourd'hui encore, c'était la preuve qu'en effet, il y a un vrai besoin. Ce besoin de chaleur humaine devant un film où les gens se retrouvent aussi, avec des comédiens qui ne sont pas connus, voilà, enfin, des nouvelles têtes, un propos qu'on n'entend jamais ailleurs, donc des thématiques qui ne sont jamais abordées non plus ailleurs. Je crois que le système a tellement voulu faire en sorte que a tellement méprisé le public, en fait, c'est ça qui est oui. Horrible. C'est ce mépris, et les gens ont déserté les salles, c'est tout à fait normal. Et enfin, là, j'espère avoir fait un film qui ne méprise absolument pas le public, qui l'estime énormément. Et on se retrouve et on parle ensemble. Et moi, ça m'a fait super chaud au cœur. Quoi. C'est vraiment une très, très belle expérience. Et dire que les comédiens sont excellents, tous. Ah oui. Et l'autre chose aussi, c'est... moi, je fais partie de ces personnes, effectivement, qui ont un peu déserté les salles pour plein de raisons. Et l'autre jour, je me suis décidée à aller voir un film en fait, quand je vais au cinéma, j'ai besoin de légèreté. Et toutes les bandes annonces qu'on m'a passées avant le film que je suis allée voir, mais je me suis dit, je n'irai en voir aucun, c'est à se flinguer, quoi. Et je pense que, justement, dans ce besoin de réparation qu'on a, on a aussi besoin de douceur, de bienveillance, et tout ça est dans le film, quoi. Ça, c'est, enfin, si on peut parler du film lui-même, ça se passe donc dans un immeuble. On a 9 appartements différents dans lesquels on voit les conséquences de ce confinement, de ce Covid, de cette pandémie. Voilà. Ah oui, on n'en dira pas plus parce qu'on ne va pas déflorer le sujet. Je peux vous dire que pour moi, c'était un régal. Et quand j'ai éteint l'ordinateur, puisque je l'ai regardé sur Vimeo, vous pouvez le trouver sur Vimeo. Dès qu'il est en grand écran, j'irai le voir. On termine sur une note, mais magique, quoi. Vraiment, tu es talentueux pour nous amener toute cette réflexion. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est qu'il n'y a aucune critique. Il y a juste de l'observation. Je parle souvent de la théorie des trois os,
Vous savez ce que c'est ? Observer, observer et observer. Et je trouve que ton film, il illustre cette boîte à outils qu'est les 3O. Voilà, on regarde et on attend ton regard, ton point de vue, tout ça. On n'interfère pas avec nous, quoi. On est là dans l'histoire. Ah ouais, ouais, ah, ah bon quand même, ah, ah oui, ah, ah très bien. Et ça, c'est un grand talent pour moi parce que on rentre dans ta tête, en fait, hein, et on dit, bon, qu'est-ce qu'il est en train d'observer ? Et d'observer encore. Et d'observer, toujours. Voilà. Et moi, il m'est venu l'idée de tout ce que j'arrose pousse. Et c'est vraiment illustré. Hein, tout commence par moi-même. Alors, je suis une institutrice à la retraite, Laurent, et donc, ça m'a touchée de voir ces trois maîtresses d'école. Et la façon pleine d'amour, innocent. Voilà. Et allez-y, les amis, parce que vous allez vraiment voir l'illustration de tout ce que j'arrose pousse. Ce matin, on était avec les pensées, les émotions, les choix et les croyances qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Mmh. Ah, tu es en plein dans la note. Oui, tout à fait, absolument. Alors, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui viennent voir le film ? Un peu plus de femmes, je pense, mais je crois que c'est pas une règle là, générale qui s'applique à mon film. Je crois que le public au cinéma est plus féminin que masculin, en règle générale. Donc, je pense que ça doit être 2/3 de femmes et un tiers d'hommes, à mon avis. À peu d'accord. Près. Parce que c'est vrai que pendant toute cette période... Enfin, dans toutes les choses que on a organisées ou auxquelles on a participé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, même dans les manifestations et tout ça, beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup plus que sur d'autres thématiques ou sur d'autres... C'est pas possible. Ouais. On vous attend, messieurs. Hein. Ils sont là quand même, les messieurs. La preuve, il y a Laurent Zéran qui réalise. Oui, oui, on en a beaucoup parlé ce week-end à Saint-Étienne. Les hommes. Sarah Jennifer parle de démontage du formatage. Et je pense que vous, les messieurs, vous avez été encore plus formatés. Enfin, nous, on a peut-être cette ouverture de cœur naturelle parce qu'on. On est dans ce féminin qui est créatif. Les hommes sont dans le féminin ouverture de cœur qui protège la femme, qui protège l'enfant. Et je trouve que le formatage dont vous avez été, entre guillemets, victime, vous a obligé à fermer le cœur pour être dans l'action et seulement dans l'action et encore dans l'action et toujours dans l'action et d'oublier votre essence. Et donc, du coup... La preuve, n'en a plus. Ah ben oui, on va parler de l'humour alors aussi. Ah oui, oui, on va parler de l'humour aussi. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai que c'est quand même important. En effet, le film a un ton globalement humoristique. Donc, c'est vrai que le film peut parfois paraître burlesque. D'autres fois, c'est un humour plus grinçant, je dirais, on rit jaune. D'autres fois, il y a des scènes, en effet, qui tirent plus vers le côté émotionnel et émouvant, parce que pour moi, c'était aussi important d'avoir différents registres dans le film, mais en effet, je crois que là aujourd'hui à nouveau, je suis resté dans la salle et les gens riaient de très très bon cœur. Mais c'était jamais un rire méchant, c'était toujours un rire de connivence, de l'ironie sur ce monde d'après. Voilà, un rire intelligent. Voilà, c'est ça qui est chouette. Pour moi, c'était un rire intelligent. Est-ce que tu penses que si ce film était sorti il y a un an, déjà, est-ce que tu aurais pu le sortir ? Et voilà, et comment est-ce que tu n'aurais pas été catalogué comme Barnérias, comme tous ceux qui ont osé faire quelque chose ? Je ne sais pas. Difficile de refaire l'histoire comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas mon premier coup d'essai non plus hein, sur ce genre de thème. J'avais fait très très vite en 2020 un court métrage qui était assez long d'ailleurs, qui doit durer 35 minutes, peut-être 40 minutes sur la crise sanitaire, je mets d'énormes guillemets à sanitaire, la politique sanitaire plutôt d'ailleurs, et en fait c'était
comme j'étais tellement, je dirais, bouleversé, j'ai pas pu en rire au départ. C'était trop violent pour moi. Donc j'en ai fait un film plutôt dramatique, plutôt oui, très sombre, très 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 sombre. Et après, en le revoyant, je me suis dit, ce côté très sombre, qui est un peu plombant. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour se sortir de ce marasme ? Et en fait, plus j'y réfléchissais, plus je me disais, non, il faut se tirer de là avec un sourire, un grand coup de chapeau. Voilà, adieu folie. Et si la folie persiste, eh bien, notre rire va la chasser. En fait, voilà. Donc, c'est pour ça que... Voilà, une pichenette, exactement. Pichenette. Moi, c'est ce que j'ai vraiment... Mais bravo, quoi, tu es talentueux, parce que du coup... bon, non, je vais pas plus loin. On en discutera quand les amis auront vu le film, oui, parce que je ne vais vraiment pas dévoiler... je veux inciter les amis à aller découvrir ce film, à défaut sur Vimeo. Alors, sur Vimeo, là, oui. Pour l'instant, il est en privé, en fait, hein, parce que je ne peux pas le mettre tant que le film est en salle. C'est dans le contrat. C'est normal. Tout à fait normal. Ce n'est pas légal, parce que ça en fait une concurrence. Voilà, une concurrence illégale. Donc, je suis obligé de le mettre en privé. Donc, on ne peut le voir pour l'instant, hélas, qu'au cinéma de Saint-André-des-Arts. Mais j'espère très, très, très bientôt avoir d'autres salles. Et également, oui. Quand l'exploitation au cinéma sera terminée, là, le film sera visible sur Internet. Mais pour l'instant, en effet, le contrat a été signé avec la salle. Je ne peux pas le mettre en ligne, en fait. Je trouve ça normal. Hein, je trouve ça normal. Alors, en association avec toi, hein, Laurent, oui, je vais te passer la parole. Nous cherchons une salle. Et je vous signale que Florent Gommet aussi, il va falloir faire une association de réalisateurs avec Pierre Barnayas pour aller chercher les salles, bouger les foules. En tout cas, moi, j'en cherche une à Vichy. Si vous êtes de Vichy, j'en veux une au mois de juillet pour qu'on puisse offrir aux Vichy ce film merveilleux. Voilà, on va en reparler. Ben, il y a Bellerive sur Allier qui est juste à côté de Vichy, oui. Où on va jouer avec les Simones au mois de mars. Ouais. C'est vraiment collé. Et puis dire aussi que vous pouvez déjà aller voir la bande-annonce sur Allociné, entre autres. Pour vous donner déjà une petite envie et un aperçu du film. On ne veut rien dévoiler parce que c'est tellement... vraiment, ouais. On se mord la langue. Ouais. Laisser des avis aussi pour ceux qui l'ont vu. Laisser des avis pour que ça fasse... pour que ça contre Télérama, qui bien a mis que c'était, c'est pas intéressant. De toute façon, c'est Télérama. Très bien il y a 25 ans, Télérama. Moi, j'ai ce souvenir quand même de Télérama. C'est une petite anecdote que je me plais à raconter. Oui, c'est qu'à un moment donné, j'ai été abonnée à Télérama au début des années 2000. Je m'étais abonnée à Télérama. Je pensais que ça faisait bien, en tant qu'artiste, d'être abonnée à Télérama. Et je jouais au Café de la Gare et j'avais une attachée de presse qui fait venir Télérama. Et à la fin du spectacle, comme toi, il y avait un échange, j'offrais la sangria, on discutait avec les gens, tout ça. Ouais. Et elle refuse de boire un verre, elle reste là, mais elle refuse de boire un verre. Et en fait, quand je demande à l'attachée de presse, elle me dit non, mais elle a trouvé que le spectacle était vulgaire et n'était pas pour le public de Télérama. Bon, donc j'ai envoyé une petite lettre en disant, écoutez, je ne comprends pas parce que je suis abonnée à Télérama et donc vous trouvez que mon spectacle n'est pas pour les gens de Télérama. Or, je suis lectrice de Télérama, donc est-ce que je joue un spectacle qui n'est pas pour moi ? Voilà. Bravo. Malheureusement, j'ai envoyé ça au courrier des lecteurs et ça a été ouvert par la journaliste qui était venue voir le spectacle, qui n'avait effectivement aucun humour et qui a très mal pris ma remarque. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au départ, elle n'avait pas dit que c'était vulgaire, elle avait dit que c'était pas pour son public, voilà. D'accord, et c'est après qu'elle a dit, mais non, mais c'était vulgaire, voilà. Ah oui. Ah ben voilà. Bien.
Mais voilà, mais moi, c'est vrai que le journaliste qui a écrit l'article sur mon film a mis texto que le film était maladroit quant à la politique sanitaire du gouvernement. Ah bah oui, bien sûr. C'est une critique de film, hein. Maladroit quant à la politique sanitaire du gouvernement. On est dans un monde de fous. C'est-à-dire que pour eux, Laurent. Pour qu'un film soit recevable, il doit être adroit quant à la politique sanitaire du gouvernement. Ouais. On est dans un monde de dingue, quoi, là, vraiment. Ouais. Non, mais c'est un compliment, Laurent. C'est un compliment. Ah oui, je l'ai pris comme une médaille, hein, forcément. Ah, ça m'a fait très, très, très plaisir. C'est clair. C'est comment, ouais, quand on te traite de complotiste, tu dis chouette. Ah, ben, tant mieux, heureusement. Alors, regarde, il y a Vivi France qui nous dit « J'avais vu M. Firode sur un live. J'ai partagé dans le compte du cinéma itinérant en Vaucluse afin qu'il le contacte. Ah, » Merci, bien. Vivi. Voilà. Vivi, si tu peux faire la même chose pour l'empreinte de Pierre Barnérias et Florian Gommet, c'est sympa, hein, parce que c'est aussi un très, très beau film, tout à fait dans un autre répertoire. Et comme on a tous envie de se retrouver dans les cinémas, allons-y de bon cœur. Voilà. Absolument, absolument. On promotionne. Donc, on parlait de l'humour dans ton film. Bien d'autres choses s'y retrouvent. Au fait, Bellerive-sur-Allier, les amis de Vichy, hein, je vais vous envoyer la date et le lieu parce que je suis allée à Vichy animer un stage et j'ai rencontré de très belles personnes, Trinidad, qui doivent absolument venir voir le spectacle et pendant ce temps, Simone Veil. Oui, ce sera le 3 mars ou le 5, je ne sais plus, c'est quand je reviens du Japon. Je le dis tout de suite, hein, pas qu'à faire. Et ben voilà, on fait des projets. Ce sera le 3 mars. Le 3 mars. Le 3 mars, et ben je regarde. C'est une salle où j'ai déjà joué et où j'avais mis en scène Nadine Sadarnac aussi. Et voilà. D'accord. Et où on peut projeter le film de Laurent ? On va tester. À voir. C'est une salle de théâtre. Oui. Oui. Mais souvent, en province. Hein. Oui. En province, les salles de théâtre font souvent théâtre et cinéma aussi. C'est pour ça que je pensais à ça. Voilà. Ouais. Complètement, tu as absolument raison. Ouais. Alors, quand tu dis que je suis équipée, Laurent, tu veux dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont équipés, les salles, parce qu'il y a des salles, même des salles des fêtes, qui sont équipées avec un vidéo projecteur et ils ont un écran. Et donc, il suffit que le film soit projeté dans ces conditions-là. Et ça me paraît tout à fait envisageable aussi. Hein. Donc, un vidéo projecteur de bonne qualité et voilà, et un écran et on arrive dans une salle de cinéma en fait, hein. Donc c'est complètement envisageable aussi. Donc si on a une salle des fêtes avec un bon écran et un vidéo projecteur de qualité, on peut faire. Absolument. Bon, et ben alors je te retiens une date pour l'université d'été 2023 dont le titre est Le Nouveau Monde, non, Le Monde Nouveau est déjà là. Et nous allons partager le film. On en parle après le direct, en direct, pendant que je te tiens. Donc, c'est super, les amis, parce que ça ouvre un petit peu comme en Haute-Savoie, où ils ont organisé le film Tout suspendu et où il y a eu une discussion avec Fabien Moine, notamment, c'est ce réalisateur aussi, qui mérite d'aller dans d'autres lieux pour pouvoir animer. C'est ça qui est bien avec vous, tu vois, Laurent, Florian, Fabien, vous animez le débat, vous allez à la rencontre des gens, vous venez leur donner des réponses. Nous, notre pratique, c'est échangeons. Et là, c'est vous qui venez à notre rencontre. Alors moi, quand j'étais petite, ou jeune même, je voyais les réalisateurs de films comme des grands personnages en dehors de ma vue, dans oh là là, non, mais je ne pourrais jamais les approcher. Oui, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble et nous pouvons nous donner la parole les uns aux autres et faire ainsi avancer le monde que tu appelles le monde d'après, que j'appelle le monde nouveau. Ce sont des synonymes.
pour lequel aussi Trinidad œuvre dans chacun de ses spectacles. Hein. Donc, le 3 mars, les amis, Bellerive-sur-Allier, on s'y retrouve. Et peut-être qu'avant ou après, il y aura la projection de ton film, Laurent. Dans les choses positives, justement, il y a eu dans cette période ce que moi j'appelais l'accélérateur de particules. C'est que tout d'un coup, on pouvait contacter justement simplement, en toute simplicité, des personnes qu'on pensait inatteignables avant, juste parce qu'on avait besoin de se rassembler avec des personnes qui étaient dans la même énergie. Et ça, c'était, voilà, que ce soit des députés, que ce soit des artistes, des médecins, des pontes, des voilà. Tout d'un coup, on était réunis dans quelque chose ensemble. Ouais. Je trouve que le tuyau de Vivi France est très intéressant parce que Cinéval en Vaucluse, je pense qu'elle veut dire il projette dans une salle des fêtes ou en plein air. Eh bien oui, Vivi France, hein, je crois que vraiment ils doivent se rapprocher de Laurent Firode. Si tu te rapproches de moi, je peux donner ton numéro de téléphone, Laurent. Bien sûr, absolument, tout à fait. Alors, que Cinéval rentre en contact avec toi. Merci Vivi France, hein, c'est vraiment trop bon. Oui, tiens, elle nous corrige, il projette. On avait compris Vivi, on avait compris, ça c'est l'écriture automatique. Hein. Ben, voilà, donc ben, ça bouge beaucoup. Hein. Parler entre nous avec le virtuel, ça a beaucoup de qualités pour pouvoir se retrouver les uns avec les autres en discutant, en échangeant. C'est vraiment formidable. Alors, que dire encore? Parce qu'il faut vraiment garder le secret. On en a beaucoup dit quand même, hein, mais que diriez-vous encore un peu pour susciter, émoustiller tout le monde et aller prendre le chemin de Saint-André-des-Arts avant le 7, le 15 ou le 22, ou d'organiser dans leur département une projection. Oui, c'est un film qui est dans l'humeur aussi de ces grandes comédies italiennes qu'on pouvait voir dans les années 60 ou 70, des films qui n'avaient pas peur de traiter des sujets d'actualité, de société, avec humour, avec tendresse et dérision, comme dans les films Les Monstres de Dinorisi ou Les Nouveaux Monstres. Je pense que le film est dans cette humeur, c'est-à-dire que c'est un film qui ne se cache pas du réel du tout, qui va à la rencontre du réel, mais avec un regard ironique et plein de tendresse aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout voulu faire un film où il y a un film binaire, où il y a les méchants et les gentils. J'ai voulu faire un film où on regarde notre monde réel, ce monde nouveau, avec toute cette folie, toute cette démence. Et on regarde ça, on voit que tous les personnages qui sont là, qui pourraient paraître parfois comme des méchants, mais en fait, eux-mêmes sont eux-mêmes victimes hein, de cette folie, de ce monde de dingue qui nous a été proposé par cette crise absurde. Donc voilà, c'est un film dans cette humeur. Hein, ce sont cette période du cinéma italien, elle m'est vraiment très très chère, et je trouve qu'on l'a complètement perdu. Quoi. Le cinéma aujourd'hui, il est formaté. On veut toujours nous faire voir des films, ce qu'on appelle le feel-good movie. Pour moi, ce feel-good movie, il a une odeur de ne regarder surtout pas le réel, enfermons-nous dans une bulle et ne voyons rien, et on va nous raconter des histoires qu'on a vues mille fois, qui n'intéressent plus personne, en fait, hein, parce qu'on voit bien que les salles se désertent. Donc, je voulais vraiment faire un film qui regarde le réel, vraiment des choses très très actuelles, avec un regard ironique et tendre, et en effet avec une brochette d'acteurs, des gens qu'on n'a pas vus, qu'on voit trop peu, et qui sont franchement super. Moi j'étais ravi d'avoir des collaborations aussi formidables avec des comédiens et des comédiennes formidable, quoi. Donc, il y en a beaucoup hein. Dans le film, ils sont 23. Donc, voilà. Donc, il y a... Et justement, tu disais qu'ils étaient, enfin, pour certains, ils avaient ouvert les yeux, pour d'autres, ils étaient convaincus, enfin, que ça c'était. Tu as fait ta sélection sur leur qualité d'acteur et pas sur oui. leur. Oui, leur... absolument. Oui, tout à fait. Non, c'était vraiment. C'est... Moi-même, je fais pas mal de training de comédiens.
j'enseigne aussi le théâtre, le cinéma, etc. Donc c'est vrai que je connais beaucoup de comédiens qui ont beaucoup, beaucoup de talent et qui sont, pour moi, sous-employés, en fait. Hein, donc, c'est vraiment dommage. Et c'était aussi, quand on fait, parce que Le Monde d'après, ça reste un film anti-système. Hein, donc, le film a été sans subvention aucune. Il a été fait en mode sauvage, je dirais. Et je voulais également qu'il y ait des comédiens qui soient aussi un peu anti-système. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas un film où on s'attend à voir François Cluzet, en gros. Hein, voilà. Donc, c'est un film où on voit des gens, voilà, de nouvelles têtes. Et je pense que ça donne aussi un côté beaucoup plus vrai et frais au film. Parce que, voilà, c'est pas des têtes qui sont archivées comme aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire que si on voit un film au cinéma aujourd'hui, il y a toujours Cadmerade, etc. Donc, j'ai rien contre Cadmerade en particulier, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une sorte de lassitude. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le cinéma est un monde clos et fermé et qu'il n'y a jamais de nouvelles têtes ni de nouveaux sujets. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu remuer tout ça, quoi. Mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Voilà. Et la force aussi, c'est l'identification, parce que dans les différentes scénettes, donc tout n'est pas autour du Covid, mais des conséquences, voilà. Oui. C'est qu'on a tous, je pense, été confrontés à des histoires similaires, à des situations similaires. Par exemple, à la première scène, j'ai une amie proche qui n'a pas fêté Noël, parce que ça aurait été ça, Noël, pour elle, l'année dernière, avec sa famille. voilà la scène entre les deux potes, on ne sait pas qui est papa, qui est maman, j'en dis pas plus. Je disais tout à l'heure quand on s'est retrouvés, voilà, on m'a fait suivre hier une vidéo où aujourd'hui on ne peut plus dire homme ou femme, quoi. Ça devient en fait ça fait un petit moment, moi j'ai ma théorie, hein, depuis un petit moment, qui est la théorie du faux pas cher. Oui. qui est qu'en fait on a dévalorisé les choses et les personnes, et que cette dévalorisation, j'en parle d'autant plus qu'avec Magie depuis des années on travaille sur la valeur de soi et tout ça, cette dévalorisation a conduit à un besoin de reconnaissance extérieure, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas soi-même, mais à une reconnaissance extérieure qui fait qu'on demande la reconnaissance de l'autre quoi qu'on fasse. Voilà, qu'on soit gros, qu'on soit homo, qu'on soit trans, qu'on soit peu importe, féministe, enfin peu importe, voilà, qu'on mange vegan, peu importe, il faut que l'autre nous reconnaisse, et s'il ne nous reconnaît pas, il est forcément contre nous. C'est ça. Alors que je pense que la première démarche, c'est déjà de se reconnaître soi dans ses choix. Voilà, quel qu'il soit, tu as tout à fait le droit d'être transphobe, tu as le droit d'être trans, d'être femme, d'être charcutier, enfin peu importe, on s'en fout. C'est ça, pour moi, la liberté, c'est ça, la valeur. Et si moi, je me reconnais en tant que personne, peu importe que les autres me reconnaissent ou pas, mais ça a créé du coup des groupes qui veulent la tolérance alors qu'ils ne l'ont pas, eux-mêmes ne sont pas tolérants. Et on en arrive comme ça à être les uns contre les autres alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est être aimé, être ensemble, être... Voilà, c'est ma petite théorie du jour. Et tu sais, Trinidad, c'est un petit peu ça que j'ai ressenti. J'ai ressenti que comme il n'y avait pas de jugement de la part du réalisateur, moi, en tant que spectatrice, ben, j'apprenais à aimer aussi ces gens-là, à rentrer dans leur monde et avoir un œil bienveillant, au contraire, de les comprendre. Parce que la compréhension amène la bienveillance. On comprend, voilà. Et c'est difficile, Laurent, de parler de tout ce qu'on a aimé sans dévoiler le film. Mais bon, je sais, ce n'est jamais vraiment évident. Mais je voulais ajouter aussi une chose, c'est-à-dire qu'on me pose souvent cette question-là à l'issue des séances. On me dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne partagent pas les idées qui sont vécues dans le film, qui pourraient apprécier le film? Est-ce que vous l'avez montré à ces gens-là? Ben, je leur dis oui, absolument, parce que le film a fait l'objet de plusieurs séances en festival où il y avait un public, je dirais lambda, qui ne savait pas en fait ce qu'il allait voir. Et j'ai été à chaque fois très étonné. Non, étonné, non, non, c'est pas le mot, je n'ai pas été étonné. Ça m'a fait chaud au cœur en fait de voir que le film était très très bien reçu par en effet un public qui était plutôt, je dirais, oui, pro-vax, tout ça, quoi. Donc,
ils ne se sont pas sentis visés, ils ne se sont pas sentis ennemis. Donc, ils se sont juste dit, tiens, peut-être qu'on nous a pris un peu pour des imbéciles. Peut-être que j'aurais à réfléchir un peu plus à ce qui s'est passé. Mais tout ça avec une grande bienveillance et beaucoup un détachement humoristique comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils ne se sont jamais sentis visés. Et ils ont même beaucoup apprécié le film. Donc, ça aussi, ça m'a fait très, très, très plaisir parce que je ne voulais vraiment pas accuser, pointer du doigt comme on l'a fait un peu de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas du tout utiliser les mêmes armes. Et c'est vrai que l'accueil du public, même s'il n'était pas forcément à partager nos idées, eh ben, a été très, très bon également. Donc, ça aussi, je pense que c'est un film qui essaie d'ouvrir un maximum pour qu'on puisse se parler, se réconcilier, je pense, avec entre nous. Je pense que c'est vraiment essentiel. On ne pourra jamais avancer si on reste bloqué dans cette haine, dans cette côté ce conflit. Quoi. Ouvrir le dialogue, sortir de la pensée unique, qui fait que exactement. Si t'es pas ça, tu es l'autre. Enfin voilà, c'est ce côté binaire. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire et que tu as vraiment réussi. C'est un petit chef-d'œuvre, enfin pour mon cœur. Hein. Je parle de moi. Merci. Voilà. Si tu veux, moi, c'est la parole positive et bienveillante. C'est le voyage intérieur. C'est tout commence par moi-même. C'est tout ça. Et justement, tu véhicules cette même énergie de bienveillance, d'amour. Parce que pas un seul moment, on rentre en colère ou on rentre en jugement ou tout. Ah oui, quand même, on est dans observer. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Ah oui, quand même, c'est possible. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez notre voisin. Ah non, non. Et non, là, non. On fait 9 voisins qui s'ignorent. Absolument. Finalement, oui. Qui vivent des choses complètement différentes. Hein. C'est hallucinant de voir comment on est divisé par les cloisons. Ouais. Et du coup, le fait de voir le film nous rassemble, en fait. Oui. Ça nous rassemble. Ouais. C'est talentueux. Vraiment talentueux. Merci beaucoup. C'est un film, c'est vrai qu'il a été un peu inspiré. Il y a un roman ancien de Le Sage, qui s'appelle Le Diable Boiteux, où le film s'en inspire un tout petit peu. Je raconte le pitch du roman. C'est un homme qui rencontre, qui libère un diablotin, en fait, qui vit dans une carafe, comme ça, qui était enfermé, une sorte de génie. Et pour le remercier, il va ouvrir les toits des maisons et montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, j'ai voulu un peu, à travers ces 9 histoires, comme si on pouvait rentrer l'intimité des gens et voir qu'est-ce qui se passe chez eux. Donc, voilà, ce même esprit. Et c'est vrai que c'était observer. Tu as absolument raison. C'est vraiment ça. Là, on pousse la porte, on rentre et on regarde avec bienveillance et tendresse et humour. Mais voilà, on pousse cette porte. Ouais. Alors, Anna Ton, elle dit, moi, on me dit, ne parle pas du sujet qui nous fâche. Eh bien, si, parlons-en, Anna. Ben, si, parlons-en. Et pourquoi on se fâche? Voilà, ça, c'est la bonne question. Exactement. Pourquoi on se fâche? Tout a un point central. Nous avons été formatés. Nous avons été divisés, nous avons été remontés les uns contre les autres, alors que nous sommes tous des humains. Oui, tout à fait. Et il est temps de remettre l'homme au cœur de l'humanité. C'est essentiel pour aller vers le monde d'après ou le monde nouveau, comme on veut. Hein. Il est là. Oui, il est là. Et c'est ça. Et il va être bâti sur des films comme le tien. Comme le film de Fabien Moine, Tout suspendu, hein, là, il est temps. On est un des derniers pays de France à ne pas avoir réintégré ces personnes-là, alors qu'on sait que tout était faux à partir de ce vaccin. Protégez les autres, protégez-vous. Ça n'empêchait même pas la maladie grave. Non.
Et voilà, et ben, nous, Laurent, on a tenu bon, on a fait l'immunité naturelle, la santé naturelle, les remèdes qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez, on a fait tout ça pour ça. Voilà. Pour ça. Absolument. Trinidad, elle a aussi un seul en scène qui s'appelle « Pour que tu t'aimes encore ». Et tout ça, pour qu'on se retrouve, par exemple, tous les trois, en train de parler du monde d'après. Oui. Oui, oui. C'est magnifique, hein? Ah oui, très très bien. Oui, merci les amis d'être là, hein. C'est vraiment super. Hein. Alors, un petit sondage, voir combien font le voyage jusqu'à Saint-André-des-Arts. Alors, il nous pompe l'air, mais notre cœur est rempli d'amour à gagner la paix et être humain soi-même. Merci à vous de voir la vie belle, virtuelle, hug. Merci Myriam, nous aussi on t'embrasse très fort. Oui, c'est combien il y en a qui sont de Paris? Alors, je ne vais pas pouvoir te le dire, Trinidad. Ou qui vont faire le voyage. Ou qui vont faire le voyage. On est sur, tu sais, 8 pages. Au lieu d'aller à Disney, ils viennent. Ah, ben, c'est clair. En plus, en face, il y a des crêpes. Il y a une petite crêperie qui fait des crêpes délicieuses. J'ai des... Exact, tu as raison, c'est vrai. Ouais. Dans la rue, il y a beaucoup de choses à manger. Bah, écoutez, alors déjà, les amis, donc on est sur 8 pages. Moi, j'ai juste Facebook et YouTube, tu vois, j'ai pas grand-chose. Donc, mais par contre, partagez avec vos amis parisiens, parce que c'est ceux-là qui ont le plus de chance. Partagez avec vos amis qui vont passer le week-end à Paris. Partagez avec tous les amis qui ont accès, comme Vivi France, à une possibilité de projection, oui, pour Laurent et son film. Bien sûr. Envoyez-moi un messenger si vous voulez avoir le numéro de téléphone de Laurent pour le contacter en direct. Ou donnez-moi votre téléphone, je le donne à Laurent si vous préférez. Enfin, vraiment, on fait le public relation avec plaisir, n'est-ce pas, Trinidad? Hein, vraiment. Et ben voilà, alors écoutez, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble presque. On va peut-être laisser les amis à leur après-midi. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Venez voir le film. Ouais. Venez voir le film. On va essayer pour que le film aille au-delà de Paris, hein, bien sûr. Là, on est déjà à la recherche des salles en province, tout ça. Donc, voilà, donc j'espère très bientôt qu'il sera visible dans beaucoup plus d'endroits. Ouais. En tout cas, je me bats pour. Alors, j'espère, en parole positive et bienveillante, t'oublie, il est dans les salles en France. Évidence, D-A-N-S-E. Dansons avec la vie. J'espère, on oublie ici, on réalise. Ce qui est bien pour un réalisateur. Exactement, tout à fait. Ah oui, bravo, mais vraiment bravo. Ce film le mérite et ce film va aller loin. On est heureux avec l'équipe de vous recevoir tous les deux. Hein. On est très très honorés. C'est vraiment un bonheur pour nos cœurs. Hein. En fait, c'est marrant et je te souhaite le même avenir. Ce film a fait l'effet de... Et d'ailleurs, ben voilà, c'est un partage dans l'autre sens de la chanson d'Ashka, oui. Danser encore, que tu m'avais envoyé un 20 décembre. Et quand j'avais reçu cette chanson, ça m'avait donné une pêche d'enfer. Je l'ai partagée avec tout le monde. Il est venu avec nous chanter à République quand on faisait Sport sur ordonnance. Et cette chanson, quand même, a fait le tour du monde. Elle a été traduite dans plein de langues. Voilà, donc quand c'est juste et que ça arrive... Au bon moment, ça trouve sa place, quoi, ça trouve son chemin. Voilà, je touche du bois. Oui, touchons du bois. Allez hop, moi c'est tout près le bois parce que. et je disais au début que voilà, sur ma façon de voir le métier, tout ça, que ça avait changé, c'est que encore plus qu'avant, j'ai le sentiment que en tant qu'artiste, on doit vraiment, vraiment, vraiment lâcher l'ego, parce que quand on a cette faculté de d'être traversé par des envies de dire, de donner, de faire,
c'est ça qui doit prendre vraiment le dessus, parce que là, il y a urgence. On a été taxé de non essentiel et je pense que sans culture, on ne peut pas vivre. Un pays s'éteint. On tue l'intelligence de l'humain. Donc, pour moi, c'est le chemin aujourd'hui pour moi, il est de jouer ou peu importe, voilà, de dire, de faire, de transmettre, d'éveiller bien les sûr. Consciences. Ça l'était avant, mais encore plus aujourd'hui, quoi. Bien sûr, bien Donc, sûr. Donc, je pense que ce film va trouver sa voie. Tu vois, pour ça aussi, c'est une grande leçon, observer, observer, observer. Parce que tous ceux qui ont observé ce taxage de non-essentiel, alors qu'on a passé la chanson « Tous essentiels » au début. Mmh. Nous sommes tous essentiels. Non, on a passé « Il est l'heure ». C'est vrai, on n'a pas passé « Tous essentiels ». Avec Sarah Jennifer, elle a une chanson « Tous essentiels ». C'est chacun à sa place et les uns avec les autres. Si nous nous observons tous, au bout du compte, nous avons tous envie d'amour. Bien sûr. C'est très simple, on a vu juste ça. Et donc, pour être autonome, c'est juste se donner l'amour à soi-même dont on a besoin pour, au contraire, aller le semer. Et c'est la grande réussite de notre rencontre, parce qu'on a réussi à s'exprimer autour d'un thème formidable, le monde d'après. J'ai changé la chanson de fin avant de dire au revoir aux amis. Si vous êtes d'accord, on va passer la chanson de HK. Ben, très bien. Impeccable. Et moi, je voulais juste par une connerie, parce que tu me connais. J'avais un petit personnage chinois dans un de mes spectacles à qui je faisais dire des préceptes et des proverbes. Et j'avais dit, un des proverbes était « Il vaut mieux partir avec l'essence de ses voisins que voir ses voisins partir dans tous les sens. » J'adore, j'adore. Allez voir aussi les spectacles de Trinidad quand elle passe. Alors, tu es à Sanary ce samedi. Samedi à Sanary, oui. Après, oui, à Paris, le week-end d'après. Nous y serons aussi avec Lilou, les amis. Hein. Ouais. Venez nous voir, venez nous rejoindre. C'est au Théâtre Galli. Donc, il y a déjà quelques amis qui nous ont dit qu'ils étaient là, notamment Michael Dumas, que j'ai interviewé sur ses pages qui est écrivain. Donc, voilà, venez, venez, venez. Ouais. Et trouver des salles à Laurent. Merci les amis. Merci de votre présence. Merci de votre gentillesse. Merci pour ce film, Laurent. Merci pour cette ouverture de cœur. Vive les hommes, hein, Trinidad. Bien sûr. Merci. Nous, on est des féministes inclusives, comme on dit maintenant. C'est exactement le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Merci pour cette légèreté. Allez tous à Saint-André-des-Arts demain à 13h, après-demain à 13h et ce jusqu'au lundi 7 et le lundi 15 et le mardi 15 et mardi 22. Ah, mardi. Oui, ouais, c'est mardi 15 et mardi 22. Et après, le film est suivi d'un débat, les amis. Profitez-en. Oui. Je suis là. Merci Laurent. Merci. Trinidad d'avoir permis. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, je n'ai pas entendu Laurent. Merci. Non, je disais juste merci. Voilà. Ouais. Merci les amis pour les partages. Au revoir. Laurent, tu restes là, on va discuter encore un peu. D'accord. Ça marche. Merci Trinidad. À tous. J'étais ravie de me retrouver sur cette page. Ça faisait si longtemps. Ah oui, ça va te redonner le goût de revenir. Merci de nous avoir permis de présenter Laurent aux abonnés. C'est génial. Et merci d'avoir été là, les amis. Merci. À ce soir, 21h, avec Lilou, Julie et Christophe. Alors, il y a l'apéro live, hein, bien sûr, hein, à 18h, je pense. Vous êtes gâtés, les amis, aujourd'hui. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main,
Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Dont nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble, dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ de possible, comme ces oiseaux qui chantent au petit matin d'un grand soir. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. C'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vibrent, nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde.